un bon chien, viens avec moi. Allez, viens, suis-moi. Allez, viens, viens. Deux petits pains au saucisson pour celui qui arrive le premier, d'accord? En lui apportant à manger, mais il s'est enfui très vite. Il n'a pas confiance. Oui, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que je dois faire? Le mettre au défi, c'est-à-dire? Finis de jouer, Monzo.
J'aurais dû m'en douter que ça ne servirait à rien. Stocky, arrête d'ennuyer Rex. Richard! Envoie la paix. Richard! S'il te plaît, dis à ton chien de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu nous rapportes encore, Rex? Oh, arrête de parler de moi comme si j'étais un vieil os. Je t'ai apporté des petits pains aux saucissons. Quoi? Rex, est-ce que tu veux lâcher Stocky tout de suite? Bah arrête! Pour une fois qu'il apporte quelque chose à manger, il faut être gentil avec lui. Où en est ta patte folle? T'en veux-tu qu'elle en soit? C'est de la courtoisie, c'est tout. Ça m'est arrivé une fois, ça. Quand ça démange, c'est l'horreur. Ah ouais? Ouais. On essaie de se gratter, mais on peut pas y arriver. On essaie d'oublier que ça démange, mais alors ça gratte tout de même. C'est l'enfer. Stocky, maintenant t'arrêtes ou je t'oblige à aller promener le chien. Alors là, d'accord, je me tais. Si tu es là, c'est qu'il y a du nouveau. C'est fou, on peut rien te cacher. Il y a encore une bombe qui a explosé. Quoi? Dans un petit magasin de jouets à Dublin. Et pourquoi tu ne me préviens que maintenant? Tu peux pas quitter le lit de toute manière. Rex! Où est-elle? Allez, montre-moi. C'est celui-là? Celui-là? C'est celui-là? Celui-là? C'est lequel, Rex? Hein? C'est celui-là? Celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Bon. Allez, viens vite, il faut sortir d'ici. Richard! Où est Rex? Je sais pas, il est passé avec un os en plus dans la gueule. Alors, tu parles d'un volcan, hein? Des projecteurs. Débrouillez-vous, il me faut des projecteurs. Rex, viens là, viens mon chien. Laisse-moi regarder ça. Laisse-moi regarder. C'est juste une égratignure. Tu te rends compte, il manquerait plus que ça. Tu portes ta main. Tu viens de les récupérer à un moment. Rex, ne t'inquiète pas pour ça, je viendrai, c'est sûr. Rex, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me dire pourquoi tu es sorti de la clinique? Il n'y a aucun espoir de se faire obéir de ce chien, commissaire. Non, c'est impossible. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous le rameniez tout de suite chez vous. Oui. Au moins, il se tiendra tranquille et il pourra se reposer. T'as entendu, Rex? On va rentrer à la maison. Et là, où il va? Rex, j'ai dit qu'on rentrait à la maison. Vous le croyez, ça? Excusez-nous, docteur. Rex! Rex, mais qu'est-ce qu'il prend? T'as trouvé quelque chose? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Lorenzo, regarde. Il y a un petit flacon avec une seringue. Oui, j'ai compris, Rex. Ça suffit, arrête. Thank you.
Baumann s'est rendu au château des Eiffels. Viens m'y rejoindre. Je sais bien que tu es un brave toutou, un beau chien, et que tu es très obéissant. Tu es un brave toutou. Tu es très obéissant. Vous n'écouterez plus jamais votre fils, Madame Baumann. Il n'y a que moi qui puisse vous aider à présent. Si vous m'obéissez parfaitement, vous recouvrerez la santé. Et n'oubliez pas de me faire la donation dont on a parlé, Madame Baumann. Restez là et coupez le moteur. Zani, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Faudra qu'on se prenne un petit café un de ces jours. Salut Rex. Oui, j'ai compris Rex. Allez, un peu de patience, le supplice est presque fini. Vous êtes prêts? Allez-y, regardez-moi. C'est un braquage, messieurs dames. Si vous faites ce qu'on vous dit, il vous arrivera rien. D'accord? Rex, vas-y, tu peux le manger, il est très bon. C'est quoi? C'est un os. Ah. C'est un os à mâcher, il est à base de peau de buffle. Un véritable délice. Ah, bah dans ce cas-là, c'est de la gastronomie. Rex l'a bien mérité. Bah, ça remplacera jamais un bon croissant à la crème. Voilà, c'est ça, restez tranquille. Commencez à me donner vos portables. Allez, avance, dépêche-toi. Plus vite que ça, allez. Là-dedans, et on se dépêche. Oui, oui, 2 minutes. Je t'en laisse une seule. Non, non, laisse, c'est pour moi aujourd'hui. Hein, mais pourquoi ça? Appelle ton chien. C'est ça, tu peux toujours espérer. Appelle ton chien! Non. Bon, d'accord. Rex! Rex! Viens ici! Rex, non, reste où tu es! Et tuer ton mec si tu viens pas tout de suite! Eh bien, arrête. Allez, lève-toi. Toi ou ton chien, vous tentez quelque chose, je vous tue. Mais c'est quoi le programme maintenant? Vous enfermez quelque part. Barbara et moi au fourcon. J'ai rien contre toi, mais j'ai besoin de temps. Allez, avance. Tête.
Rex, fais attention à l'armoire. J'ai commencé à la repeindre. Ouais, je l'ai. Ah. Oui, 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 j'ai la balle. Ah, allez. Où est la balle, hein? Ah. Allez, Rex. Ah. Oh. Allez, donne-moi la balle. Allez, donne. Ah, bravo, bien joué. Ah, attends. Viens là. Regarde bien. Cette fois, je t'ai vu. Je t'ai toujours dit de bien regarder la balle. C'est ça le secret. Alors, est-ce que tu as bien compris? On recommence. D'accord. Bon. Oh. Mon bébé Rex. C'est interdit ce que tu as fait. Oh, bah, c'est bien, tu as été rapide. Oui, Moser, j'écoute. Sans autorisation, juste comme ça? Comme ça, oui, je laisserai Rex avec toi. Il est très possible que j'y passe mais, la nuit. Mais attends une minute! Ton chien va me gêner, t'as qu'à le laisser à ta vétérinaire. Non, il n'y a pas que ça à faire. Non, et... Il est content de rester avec toi. Non, je regrette, Rex, mais je peux pas te garder, je dois surveiller ton maître. Et oui, parce que je t'avertis, je pars là-bas avec toi. S'il te plaît. Bon, d'accord, mais alors tu laisses mon chien tranquille. Allez, viens, Rex, on va voir la standardiste. Je t'en prie, fais pas cette tête-là. Rex, tu dois savoir rester un peu seul. Rex? Mal à aller au cinéma. Alors tant pis, on restera ici. Quoi? Ah d'accord. On passera la soirée ici. Mais qu'est-ce... Chut. Très bien, pas de cinéma ce soir. Oui, on ira une autre fois. Puisque le chien ne veut pas...